On sait bien sûr que Valve a un intérêt particulier pour Linux depuis que Microsoft a inclus son magasin dans Windows 8. À l'époque, Gabe Newell, le PDG de Valve, avait tout en nuance déclaré que Windows 8 était une catastrophe pour le monde du PC. Et c'est vrai que si les gens se mettent à acheter leurs jeux via un magasin Windows, Steam n'a plus beaucoup d'intérêt, ou en tout cas beaucoup moins, et puis surtout le magasin est fourni préinstallé avec Windows, contrairement à Steam, ce qui du point de vue de l'utilisateur moyen respecte encore ce fameux principe du moindre effort. On sait tous que si Windows est majoritairement utilisé sur PC, c'est quand même en grande partie parce qu'il est vendu avec ces mêmes PC. Et la situation ne s'est d'ailleurs pas arrangée depuis, avec l'introduction de la plateforme d'application universelle UWP, accusée d'être la plus agressive tentative d'enfermer utilisateurs, développeurs, mais aussi distributeurs dans un même environnement. On comprend donc bien l'agacement de Newell qui contraste avec l'enthousiasme chez Microsoft, puisque l'idée est de purement et simplement court-circuiter toutes les autres plateformes de distribution logicielle. Bon, Newell va quand même assez loin dans ses propos puisqu'il parle d'un possible changement de système pour préserver l'ouverture de la plateforme PC, et quand on voit les parts de marché de macOS et Linux à l'époque, c'est quand même assez osé. Il fait donc assez peu de doute que la création du client Linux en 2012 n'était pas vraiment due à l'ouverture vers un nouveau marché, aussi petit soit-il. Il s'agissait surtout de mettre une certaine forme de pression sur Microsoft. Pour les sceptiques, cette explication a d'ailleurs été confirmée par un ex-développeur de Valve, Rich Geldreich, qui a eu la riche idée de poster sur son blog une anecdote intéressante à ce sujet. En 2012, Valve travaillait sur le client Linux, mais avait également porté Left 4 Dead 2 sur ce système, et rapidement, cette version tournait mieux que la version Windows. L'information avait d'ailleurs été diffusée sur le blog de Valve par Gabe Newell lui-même, et le post s'intitulait « Des zombies plus rapides sur Linux » et il a eu un certain impact sur le monde PC. Quelques semaines plus tard, Valve a eu en effet la surprise de recevoir une délégation de personnes travaillant chez Microsoft. L'annonce de Valve avait visiblement bousculé Microsoft, qui a agi non pas comme à son habitude en rachetant le concurrent, mais en relançant le développement de DirectX qui était un peu en pause à l'époque. On peut ici noter l'ironie de la situation, en poussant Linux, Valve a donc permis d'améliorer DirectX. Je suis pas certain que ce coup de billard à trois bandes était le but premier de Valve à l'époque. En tout cas, le but semble atteint puisque le client Linux permettait effectivement de maintenir cette pression sur Microsoft, à condition bien sûr que Valve ne se contente pas d'arrêter tout développement une fois le but atteint. Il fallait que Valve maintienne un minimum ses compétences dans l'écosystème Linux, y compris dans certains projets libres. Une remarque à ce sujet, certains peuvent sourire en entendant Gabe Newell parler d'ouverture, alors que c'est vrai, Steam est un logiciel fermé, et d'ailleurs ça donne souvent des débats un peu clan contre clan entre ceux qui ne jurent par exemple que par Good Old Games, la boutique sans DRM, et ceux qui pensent que sans Valve, le jeu sur Linux n'aurait jamais autant progressé. Mais en tout cas, au niveau du libre, par effet collatéral, il y a quand même un truc qu'on peut vraiment pas contester, c'est qu'aujourd'hui, Valve a fait avancer de nombreux projets libres. Ce qui est plus curieux par contre dans l'historique de Proton, c'est qu'habituellement Valve travaille en tant Valve avec des durées de développement qui sont quand même un peu déconnectées du temps de réactivité de l'entreprise moyenne. On attend tous depuis des années certains jeux en provenance de Valve, on va pas tous les citer, mais un truc qui est sûr c'est qu'on va bientôt pouvoir parler en dizaines d'années. On peut aussi citer SteamOS, le système d'exploitation dédié aux jeux basé sur Debian et reposant sur Big Picture. Sur ce projet, Valve travaille vraiment en tant Valve et le projet continue aujourd'hui d'avancer tranquillement, tout comme son rythme d'adoption par les utilisateurs. On voit bien que Valve n'est pas le genre d'entreprise à se précipiter. Et pourtant, en moins de 2 ans, tout cela démarrait aux environs de 2016 avec Codeweavers, Valve a fait avancer à grande vitesse les projets utiles à Proton comme DXVK ou VKD3D, les couches de compatibilité qui traduisent les appels Direct3D vers l'API Vulkan. Un mot bref sur Vulkan, car c'est quand même la base pour Proton, c'est la nouvelle API graphique de bas niveau, à la façon d'un DirectX 12, qui doit permettre de gagner en performance par rapport à OpenGL, même si les fonctionnalités ne sont pas exactement les mêmes. En tout cas, on voit bien que la réactivité sur cette affaire ne ressemble quand même pas beaucoup au mode de fonctionnement de l'entreprise de Seattle. Pour expliquer le contexte qui a amené à Proton, on va devoir parler un peu de la part de marché de Linux. Sur le bureau, la part de Linux oscille aujourd'hui entre 2 et 3% d'après Net Market Share.
Alors c'est pas énorme, hein, même s'il faut se souvenir qu'il y a 12 ans, on tournait encore autour des 0,4%. La part de marché a donc quand même été multipliée par un facteur 6 à 7 en 12 ans, dans un marché qui est lui aussi en progression en valeur absolue, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs sur le marché. C'est là qu'on en vient à la part de marché sur Steam, et il faut bien avouer que ça se complique un peu. Elle tournait autour des 1% au lancement, mais a baissé aux alentours des 0,5% récemment. Alors ça ne signifie pas que le nombre de joueurs sur Linux a diminué, au contraire, j'y reviendrai sans doute dans une autre vidéo, mais très brièvement, cette baisse est liée à l'afflux massif de joueurs asiatiques, continent où Linux est très peu implanté. Et quand je veux dire très peu implanté, c'est encore moins qu'en Europe, en Amérique du Nord, bref, presque zéro. Un mois après la sortie de Proton, on a même assisté à une petite hausse de cette part, atteignant 0,8%. Est-ce lié à Proton? Est-ce une tendance? Est-ce que c'est significatif? Bah, il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir l'affirmer. Mais finalement, bien plus que sur le bureau, Windows règne sans partage dans les stats de Steam, sans doute au grand désarroi de Valve.